Une vraie idée là. Je m'en fous. Mais va l'avoir, tu comptais faire quoi avec ce poème de toute façon? Je vais pas l'avoir. Je vais m'afficher. Ça va, t'es BG. Là, elle fait la belle devant ses copines, mais en fait, ça se trouve, il y a moyen. Vas-y, s'il te plaît, toi aussi. Occupez-vous de vos affaires. Pourquoi vous m'embrouillez pour rien? Moi, j'avais envie de revenir sur l'adolescence, enfin, sur mes années, moi, d'adolescent, et sur certaines émotions qui sont présentes dans le film, dont la honte, le désir amoureux, l'angoisse par rapport justement à ce désir. Moi, je pense que si tu vas pas maintenant, tu vas jamais y aller. T'es sûr qu'elle déménage? Mais oui. J'ai commencé à écrire ce film avec la dernière scène du film. Et j'ai essayé de d'étirer cette scène le plus longtemps possible. Et moi, j'adore les films qui... je pense à The Square, par exemple, qui n'a rien à voir. Mais j'adore le cinéma de Ruben Östlund pour ça. Moi, je fais un cinéma qui n'a rien à voir. Mais néanmoins, j'aime beaucoup, et je pense que ça m'influence beaucoup, les films qui, et les cinéastes qui travaillent la scène. Qui travaillent la scène comme un petit court-métrage, des scènes qui bouclent, des scènes dans lesquelles la thématique du film se joue à chaque fois, dans lesquelles il y a beaucoup de conflits. Et j'aime bien ça. Et donc, du coup, Holeker, c'est un peu une scène qui s'étire. Je rebondis, parce que je suis comme toi. J'adore les scènes. Enfin, c'est marrant, je suis scénariste, et du coup, aussi pour d'autres gens, et on parle beaucoup de structure et de squelette et tout ça. Mais c'est jamais... enfin, moi, ce qui me graisse toujours, c'est des scènes. Enfin, je peux aimer un film pour une scène. Et je trouve que c'est ce qui... Enfin, ouais. Et j'adore les longues scènes aussi. Coucou Julia, t'étais pas là. Ça m'intéressait de travailler sur l'écoute, sur la difficulté que ça peut être d'entendre quelque chose et sur les œillères qu'on a un peu au quotidien. Voilà, du coup ça c'était vraiment le point de départ et du coup aussi j'avais envie de travailler sur un personnage qui a plusieurs facettes, une facette publique, une facette privée, de tourner comme ça un peu à 360 autour d'elle, et donc d'être à la fois dans ce qu'elle est capable d'entendre, incapable d'entendre, capable de voir, pas capable de voir, et du coup il y avait un terrain de cinéma quoi qui était chouette sur justement le son, l'inconscient, comment quelque chose qu'on a raté peut nous revenir. Donc c'était des choses un peu d'impression comme ça qui m'intéressaient. Et on a vu une dizaine d'acteurs et on aurait pu en voir plus, mais en fait Noé, on l'a vu en deuxième et c'était une grosse baffe. Moi je l'ai adoré tout de suite. Il était à la fois très jeune et très, très mature. Il avait déjà quand même un peu tourné. Donc, en plus, il était hyper solide. Et ouais, non, ça a été un bonheur de bosser avec lui. J'avais besoin d'une ville où il y a un tram. Donc, finalement, ça réduisait à quelques villes. Et vraiment, c'était super. Au bureau des tournages, Johan Gretke, c'était pas juste quelqu'un qui connaissait les décors, enfin, c'est déjà quelque chose, mais c'était en plus quelqu'un moi, qui avait compris le projet de film. Et par exemple, sur la scène de danse, il cherchait une place et il m'a proposé un endroit qui n'était pas une place, qui était une sorte d'esplanade. Et en fait, visuellement, elle correspondait au lycée. Bon, voilà, je ne sais pas, on voit un petit peu dans le film, finalement, pas tant que ça. Mais voilà, c'est précieux d'avoir. C'était vraiment précieux. Moi, j'ai vraiment eu un accueil précieux. Voilà. Et nous, ça a été une décision de production parce que c'est la ville qui nous accueillait et qui aimait le projet, qui nous a soutenus. Et par ailleurs, j'aimerais remercier la région de nous avoir accueillis, d'avoir cru dans le scénario, dans le projet et de nous accompagner encore maintenant. Et donc à la ville de Reims, évidemment, mais je pense à Léo Pignot, je pense à Virginie, je pense à Muriel. Et je sais que tout le monde, tout le monde nous suit, tout le monde soutient le projet, et je vois que la région communique dessus. Et moi, je suis très 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 content, très heureux du soutien qu'on a reçu, et c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau.